Salut les viewers, c'est Marcus Banus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. J'ai la voix qui part un peu en couille ce matin, attention, hein, ça va être douloureux. Nous allons enfin pouvoir avancer dans les quêtes principales. Je vous rappelle qu'il fallait avoir 15, pété, hein, je crois que c'est les pété que ça s'appelle, mais ça me choque à chaque fois que ce soit pété parce que c'est... Patrouilleur du temps, donc oui c'est ça, c'est des médailles pétées. On dirait que tu as récupéré toutes les médailles pétées que je voulais. Excellent travail. Oh oh oh, on pourrait les utiliser avec ce livre, pour avoir ce livre qui m'intéresse avec ce truc coquin. Arrête de me regarder comme ça, je peux les dépenser comme je veux. Non, c'est les miennes. Je vais les rendre, mais sache que tu prives un vieil homme de son plaisir. Je veux pas savoir de quel plaisir. J'imagine que tout le monde compte sur toi. Bon, tu peux avoir ça aussi. C'est même ma réserve spéciale, alors pas de gaspillage. Je vais devoir faire des nouvelles économies. Ah bah d'accord. Il m'en refile 3. Tout ça pour ça. Mira et Towa, nous ne risquons pas de nous reposer si tôt. Cela dit, tu possèdes une grande puissance. Mon intuition me dit que tu pourrais réussir à déjouer leur plan. Oui, on y va. Ta puissance devient impressionnante. Veux-tu te rendre à la crypte du temps? Mais je t'ai dit que oui déjà. C'est parti. Bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Bah oui, il fait que ça, de toute façon, il fait que se reposer, hein. Oh, pauvre petit père. Moi, je me plains pas. Normal, je fais mon boulot. T'as demandé un arrêt maladie, mec. Trunks, il est en arrêt maladie, quoi. Les choses ne sont pas encore revenues à la normale. Oui, bah écoute. On l'avait déjà vu. Ah non, l'incarnation du mal, donc c'est le petit. Merci. On y va. Ah! Trunks, c'est ton arrêt maladie. Je crois que ça va être le nom de l'épisode. Ça va forcément être le nom de l'épisode. Un combat galactique crucial. Oh là là là, les noms des combats. Diminue la stone du boost sous un seuil et Sangoku doit rester avec plein de PV. Bonjour. C'est bien avec, vraiment le petit bout finalement. Ok, bon bah on y va. Ah mais ah, ça va être chiant. Bon bah je vais charger mon ki. Oh là là, Vegeta qui demande de l'aide. What? Vegeta qui s'est fait rect. Hop, merci, boum. On va essayer de réduire les hop, chers amis, aussi, au passage. Voilà, crac. Mais il y a des bugs dans ce combat. Le personnage est bizarre au niveau de la... Ah, ça y est. Boum. C'est d'éviter qu'il ait trop d'endurance, mais... Il avait juste ce qu'il faut pour se téléporter. Oh. 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 Même en ayant plus d'endurance, tu te fais rect. C'est débile. Allez, va faire un... Ah bon, moi j'ai pas le droit à la fin de mon combat. Oh non! Ah non! Là, je suis désolé, mon coup il a touché. Mon coup il a touché. Oh, il me passe une chope alors que je suis prêt à attendre la garde. T'es sérieux? Ah, c'est parce qu'il aurait fallu que j'aille sur le corps de Vegeta, me faire aider, tout ça. Non! Non, je suis pas d'accord. Ça m'énerve. Dis donc, et... Voilà, merci. Voilà.
Bah oui, parce que c'est logique. Quand le jeu est suffisamment pute pour te faire passer derrière l'adversaire alors qu'il est censé avoir fait une poursuite, c'est logique. J'attends que mon ki recharge. Hop. Très bien. Gage. J'attends que mon ki recharge, mon endurance recharge. Pour... Non. Hop. Voilà. J'attends que mon endurance recharge. Ah, pour une fois que le jeu est avec moi. Hop. Non. Ah bah voilà. Ah, cinématique. Vegeta. J'ai jamais été très très fan de cette scène. C'est dommage. Je trouve que le Genkidama c'est un peu trop facile. Ah bah de toute façon il passe la moitié de du combat. J'espère que tu reviens comme quelqu'un de bien. Mais la traduction est à chier. J'arrive pas à croire que je vais dire ça sur un jeu estampillé Dragon Ball, mais ce jeu-là, ne l'achetez pas. Achetez-vous le premier, il est bien mieux. Putain, c'est triste quand même. C'est carrément triste. Regardez, Goku vole! À quel prix? J'ai toujours ma tour qui fait des bons bizarres. Reviens vite, Trunks vient de reprendre connaissance. Ouais, ça, je peux rester un peu plus tard. En enfer? What the fuck? L'énergie de dégâts. Voilà autre chose. Gros effet de lumière. Tu peux voler, je te rappelle, à vitesse grand V. Oh, le masque. Ah, on a été téléportés ensemble. What the fuck? Mais n'achetez pas. Ne l'achetez pas. Achetez-vous le premier. Plutôt, il coûtera moins cher et il sera aussi bien. Enfin, même, il sera meilleur. Sauf que vous n'aurez pas cet arc-là. Bonjour! Je viens de me téléporter dans le temps. En divine compagnie. Ah, ça va rendre sympa, ça c'est rigolo. Oh, en divine compagnie, ils sont même plus là. Hein. Ah, bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est exactement pas ça que je voulais faire. Oh non. Hop. Mmh.
Non! Même quand j'entame ma chope d'hyperabsorption, il a le temps de se retourner avec un coup. C'est dégueulasse. Hop. Tu es un problème, Saiyan masqué. C'est saoulant. Hop, voilà, là c'est passé. Il est rentré en contact avec le caillou. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'ai carrément de la régène là, t'es mauvais. Boum. Combat extrêmement dur. Ah. Un Bardock mauvais donc? C'était bien un Bardock. C'est vrai qu'aux couleurs, j'aurais dit Bardock aussi, mais. Oh! Mais le mec, il a le temps de se. Hop! Voilà! Bien sûr, il est forcément plus rapide que moi, hein. Vas-y, viens, je t'attends. Dégage! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dégage! Non, non, je suis pas d'accord, j'attaque dans le dos, mec! Merci! Voilà, merci pour l'endurant. Maintenant, je vais pouvoir enfin gagner un petit peu de ki. Allez, viens, chatan. Un petit peu de PV. Raté, dégage. Bah, j'aurais pensé qu'il me chargerait dessus. Voilà, merci, au revoir. Et c'est fini avec un Kamehameha, mais apparemment il a aucun dégât. Hein. Apparemment tout va bien. C'est une débilité parfois ce jeu. Sans doute parce qu'en fait je l'ai pas battu, mais il a atteint genre un PV et que du coup ça a suffi à mettre fin au combat. Oh, virus. Par contre, j'arrive pas à savoir si c'est le moteur du jeu ou si c'est le fameux. Non, je crois que c'est le moteur du jeu. Ils ont atteint Beerus. Oh, c'est. Ah, oh, je sais plus. C'est la boisson que Bulma lui a fait, je crois. Ah non, voilà, c'est du pudding, c'est ça. Pardon. Il adore le pudding. C'est débile. C'est débile. Pudding time da! Non, c'est à moi. Ah, bon.
La fête est gâchée. Il va être dégueulasse. Ah, il est dégueulasse. Comment foutre Son Goku à terre avec un mauvais pudding. Tout se passait si bien. Tout se passait si bien. Le problème du pudding. C'est parti. Ravi de pouvoir faire ce combat. Dégoûté de pas avoir le Super Saiyan. Ouh, il est énervé. Il a tellement de PV que sa barre est verte. Et elle reste verte encore. Dégage. Hop. Là viens, je t'attends. Boom, bitch, get out of the way. Ah, c'est attaque Kabiru, Kawis, pardon. Allez, je te renvoie sur terre, tu permets, hein. Boom. Merci. Oh, la musique est cool. Elle a des, comment, des tonalités de limite de musique classique à la guitare électrique. C'est un mélange que j'ai toujours apprécié. C'est une chope ça, non? Réalisé sans trucage. Boum. Retourne par terre le chat. Dégage. Dégage. On va essayer de passer par une attaque Kaioken à la fin, mais je sais pas si ça va lui faire tant de dégâts que ça. Hop, merci. Dégage. Ah, j'avais déjà flou, pardon. Hop. On va le renvoyer sur terre une fois de plus. Boum. Bien joué. Allez, retourne sur terre cette fois-ci encore. Normalement, j'aurais pas recalé ma... Boum. Ah, j'ai pas eu le temps de la finir. Quel dommage. Je pensais pas que je ferais autant de dégâts. 16 000 points d'XP, je vais pas me plaindre. Ça fait 20 points à mettre par contre, ça va falloir que je les mette, hein, entre temps. Par contre, cet épisode s'éternise par contre. Ça, c'est moins cool. Je suis toujours dans le cadre. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui, je suis toujours dans le cadre. On a donc avant, on est qu'à 20 minutes d'épisode, ça va. Hop. Il s'est pris une dérouille en même temps, le pauvre garçon. Merci du coup de main, Goku. Hein. Sympa. Non, 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 évite, évite de toucher à tout ce qui est cuisine. Voilà, bonne réaction. Ah,
Je veux pas dire, mais j'avais pas besoin d'avoir le comment le Super Saiyan God pour me battre à armes égales avec Beerus, hein. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait absolument aucun sens. Je t'en prie. Retour à la maison. Ah, il y a encore. Ah, des vibrations. Il faudrait que j'ai un PC en vibranium, ça vibre pas. Excellent travail, on t'élimite aujourd'hui. Bah non, j'aimerais que tu sois encore dans le coma ou un truc comme ça, mais malheureusement tu ne l'es plus. Est-ce qu'elles auraient vraiment plus mal tourné que ça n'a fini? Le japonais, vous avez vu des phrases déjà qui sont déjà longues, en fait elles sont pas terminées, et des phrases sont très très courtes et il faut mettre une demi-heure pour les laisser. Conclusion de la bataille des dieux. Oh non, encore des quêtes avec Trunks. Seriously? Un nouvel événement d'entraîneur est disponible. Ouh. Je veux. Je veux, je veux. Il y en a des nouveaux, non? Ils étaient pas aussi nombreux avant. Ou alors c'est dans ma tête. Trunks petit, donc on verra pour les quêtes secondaires. Un peu plus tard d'abord, on va aller voir notre maître Vegeta. Et au passage, on va regarder quand même ce qu'il y a comme Monsieur Satan en entraîneur. Non, merci. Bou. Là, c'est C18 normalement. Krilin, Sangohan et Videl non plus. Vegeta. J'ai entendu parler de ton travail. Tu es en train de développer ton potentiel. Mais ce n'est que le début, puisque je suis ton entraîneur. Tu vas devoir t'élever à un niveau encore supérieur et tu seras un meilleur policier du temps que Trunks. Tu as compris? Oui, bah c'est pas très dur. Hein. Ça m'a coupé dans mon élan. Je suis sûr que c'est possible. Bah, c'est pas très dur. À condition que tu m'écoutes. Ok, donc. C'est donc ça l'événement. Lui parler. Ok. Il y a un mec qui est au fond d'une grotte, par contre. T'as remarqué? Apparemment, il y en a un sur le toit. Beerus, dieu de la destruction. Ouh! Donc, on a accès à un autre personnage, normalement. Qui s'appelle Sangoku. Sangoku est supposément disponible, chers amis. Il suffit juste de le trouver. Il suffit juste de le trouver. Il suffit juste de le trouver. Je vois un mec qui était dans une... Merde, je l'ai vu tout à l'heure, je le vois plus. Là. Regardez, il y a un mec qui est dans une espèce de trou. C'est Thalès qui est là-haut. Merde! C'est pas le bon. Donc là, on a une autre quête qui est donnée par... Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Mitsuba. Tu le dis à tes souhaits. Et là-haut, c'est une quête de Cécel, pardon. Cécel. Cécel, Cécel. Bon, on va commencer par la quête de Mitsuba. Hein. On va bien voir. Je suis dégoûté, je pensais avoir Sangoku en tant que maître. Yo. Bonjour. Oh, c'est toi, on dirait que tu as causé pas mal d'ennuis au Nuts Gang ces derniers temps. Il paraît que tu as battu beaucoup de soldats, mais moi, je suis à tout autre niveau, tu sais. J'aimerais mieux que ne pas serrer mes habits avec ton sang, alors je te laisse t'en tirer pour 50 000 zénis. Non, t'es toute seule. Mauvais choix, mais je reconnais que tu as écrit. Tu as dû t'en prendre à un commandant du Nuts Gang. Cinq personnes doivent t'apprendre à la dure, je suppose. Je vais bien te faire retenir cette leçon. D'accord, bah si t'es toute seule, je vais te la faire retenir la leçon. Hein. Désolé. Hein. Elle va me rect, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de mettre mes points. Elle va me rect. Thank you.
Oh non. Merci. C'est serré, dis donc. Par contre, c'est pas du tout ça que j'ai fait comme commande. Merci. Non, alors là, ça fait deux fois qu'il me fait la commande du super coup. Je suis pas d'accord. Donc, dans le dos, je peux pas parer. Mais eux, par contre, ils arrivent bien. Merci. Non. Merci, voilà. Bah oui, bien sûr. Crac, merci pour l'endurance. Hop, voilà. Elle en a plus. Moi, pendant ce temps-là, j'ai ma régène et je passe en Super Saiyan 3! Raté. Merci. Crac. Allons-y. Et c'est fini. Ah, ça a été dur. Comparé au combat d'avant, ça a été vachement dur. Cependant, je sais que j'ai pas obtenu une victoire Z parce que... Enfin, à 51 000 points quand même. J'ai obtenu deux niveaux d'un coup. Bah écoutez, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. J'ai plein de points à mettre. Plein de points à distribuer. Ah, tu as une sacrée force. Je pensais que je ne perdrais jamais un seul combat. Ne crois pas que notre chef va laisser passer cette insulte. Prépare-toi à souffrir. D'accord. D'accord, on a des points à mettre. Améliorer les attributs. Mes attributs virils. Hop, voilà. On peut pas en mettre plus ici. Non. Bon bah tant pis. Bah écoutez, hop, on va les mettre là. Hein. C'est pas les trucs les plus utiles, mais écoutez, pourquoi pas. On va quand même passer vite fait, très vite fait au shop. Je vérifie qu'il n'y ait pas de nouvelles failles qui soient sorties. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Celle-là, on l'a faite, on est d'accord. Hein. Ok. Boutique de technique ou boutique de fringues déjà. Et je vais commencer à me renseigner sur la meilleure QQ Bank pour les Super Saiyan. Quels objets? Technique. Hop. Onde de choc. Éclair perlé. D'accord. Super flash choc de dieu, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Coup de grâce. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose d'épique. D'accord, intéressant. Bon. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait plus que ça. Bonjour. Nous avons de nouveaux produits en stock. Bah si c'est vrai, écoute, ça m'intéresse. Attaque de base, santé, mais je veux une perte de ki. Ah oui, c'est la combinaison de combat de Thalès. Ah. Oh, la tenue de Beerus. Alors déjà pas beaucoup de PV, mais alors là... Elle coûte 80 000, donc faut que je vois dans les tenues qui coûtent très très cher en fait. Ah, j'ai la tenue de Sangohan qui me ferait faire tellement de dégâts. Auto-école de Piccolo Postboy, d'accord. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, une Pikyuan, effectivement, elle a l'air craquée.
Ça m'intéresserait presque, honnêtement. Ça m'intéresserait presque. J'aurais bien aimé que ce soit. Enfin, ouais, qu'on puisse acheter toute la tenue d'un seul coup, quoi, finalement. Ça aurait été tellement plus rapide. D'accord. Bon, bah, la tenue de Paikuan serait peut-être un truc intéressant. Cependant, on verra, avec, avec les Kyukubang, on peut carrément se passer d'avoir une tenue particulière pour passer directement à quelque chose d'un peu plus sympa, on va dire. Tout en gardant les stats d'un objet intéressant. Bon, on verra bien. Je vais me renseigner là-dessus, je pense. Juste pour, par principe, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté au niveau des missions. Hop. C'est Nappa, d'accord. C'était Nappa qui était dans le fond. Et là, on a la peau de Gratiaman 2, la griffe de Rakshasa, la tenue de Gogeta, tenue de combat de la Capsule Corp, Recom Kick. Comment ça, Recom Kick? Ah bah oui, d'accord. Et le Kaio Kaio... Avant le renouveau, la ruine, la péril de Son Goku en mode Super Saiyan, soif de destruction avec... D'accord, ok, bon, pourquoi pas. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, cliquez dans l'écriture de l'épisode et aussi dans la bannière de la chaîne vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yaa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